Voilà, là, vous avez deux. Je vois là, ça joue. Voilà, bien joué. C'est un petit travail. Allez, Gaëtan, vous pouvez attaquer jusqu'au bout du terrain, Gaëtan. Voilà, très bien. Oui, très bien. Voilà. Ok, ok. En fait, l'association a pour but de faire connaître l'histoire du club. Jusqu'à présent, on a fait beaucoup d'actions, mais c'était sur Internet. On a un groupe Facebook. Et l'objectif, c'était de venir en physique, de mettre à disposition de ce qu'on met d'habitude sur Internet, c'est-à-dire des magazines, des livres, des revues, et de les mettre à disposition gratuitement donc des visiteurs. Et c'est vrai que quand on se repenche sur le passé, par rapport à des périodes, bon, on pense au gym, mais ça nous ramène aussi à notre propre vie et ça ramène aussi d'autres souvenirs. Je pense que c'est ça aussi qui crée la nostalgie de ceux qui viennent là pour feuilleter les magazines des années 50, 60, 70, 80, 90 et autres. On est venu voir le match. Quel match ? Nice-PSG. C'est clair que c'est un match compliqué. Parce qu'on va affronter le Paris Saint-Germain. Et on vient entre potes avec le club. Et on espère que Nice y gagne. Je pense que ça va être très très compliqué, mais avec un public, avec un stade à guichet fermé, ça va pousser. C'est vrai qu'il y a des gros joueurs, mais plus personnellement, c'est le jour de mon anniversaire. Mon plus beau cadeau, c'est que Nice gagne Paris ce soir. Si on les gagne, ça sera un vrai exploit. Franchement, allez Nice Arte. Issa Nissa! Issa Nissa! Issa Nissa! Issa Nissa! Très content d'être avec vous. Je ne peux pas rencontrer les mots pour décrire ce moment. J'attendais ce moment depuis très très longtemps, quoi. Donc très très heureux et très très fier qu'il ait gardé un souvenir aussi grand du club, de la ville et des supporters. J'ai commencé à suivre le foot avec lui, c'est le tout premier maillot que j'ai acheté. Donc vraiment c'est des super émotions de le voir ici. Ça fait plaisir de le revoir parce que c'est vraiment l'époque, c'est la dernière année du Ré, la première année de l'Alliance Riviera, c'est ses buts, c'est ses exploits, c'est la belle équipe de Nice qu'il y avait à l'époque. La fameuse célébration où il monte sur le panneau publicitaire, ouais. Et il tend les bras devant la pop, c'était incroyable. Le meilleur numéro 9 de Nice. On est bien d'accord. Voilà. Ça fait chaud au cœur, hein, il a dit, hein, il est plutôt réservé, plutôt timide. Il n'aime pas trop ce genre d'événement. Donc le voir touché par le témoignage des supporters, ça renforce l'amour qu'on a pu avoir pour lui. Et l'amour qu'il nous a rendu était sincère, on le voit encore aujourd'hui. Il est pareil qu'avant, il est aussi généreux avec son public et c'est un super mec. Et Nice ne l'oubliera jamais. C'est ce qui ont fait l'histoire du club, donc oui, il faut leur dire merci et bravo pour ce qu'ils ont fait. J'ai pas de questions pour vous. Okay. Juste une émotion à partager. Lors de votre première saison à Nice, vous claquiez but sur but et ma femme était enceinte à ce moment-là. Okay. Et on s'attendait que ça soit une fille. Okay. Et en fait, plus tard, bah, on a vu que c'était un garçon et ma femme me dit « mais on n'avait pas le prénom du garçon ». Et moi, étant abonné depuis des années, etc., avec les émotions que vous nous avez fait vivre,
J'ai dit, ben, on va l'appeler Dario. Elle m'a dit, non, pas encore ton football. Ah ouais. Et aujourd'hui, il est là, Dario. Des choses comme ça, je ne peux pas comprendre, tu sais. C'est pour ça qu'on restera par toujours dans mon corps. Et, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est les matchs, je ne peux pas jouer. Un peu, 15 minutes, 10. Non, vraiment, moi, je suis très content de tout ce qui s'est passé là. Et bon, maintenant, avec les supporters, donc on verra. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend, mais bon, très content. Un vrai merci à vous pour l'invitation. Je t'aimerai. Toute ma vie à tes côtés, je combattrai avec honneur, fidélité. Ce soir, quand la paix, elle va s'enflammer. Comment on se sent avant un match comme ça face au PSG? On ne peut pas mieux. On était de l'autre côté. J'ai vu Didier Deschamps. Il a vu dans mes yeux. Il s'est dit, lui, il faut que je le prenne. Donc, et c'est quoi ton poste? Parce que là, il y a déjà Todibo en défense. Kefren, au milieu de terrain, et toi? Latéral gauche, il y a Théo, il fait les allers-retours, il est fatigué, il a besoin de moi. Moi, je suis là, demande-lui. Bon latéral gauche, j'en ai jamais vu des meilleurs, franchement, faut le sélectionner, monsieur Deschamps, si vous voyez Didier, ça. Didier, tu l'as vu dans Prenez-le. Mon regard. Didier, tu m'as vu. Tu joues dans quel club? Je joue pas. Génial. Je monte au stade, je monte au stade, voir mon équipe jouer. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade, voir Nice gagner. Le vendredi et aussi le samedi, c'est en fin d'après-midi à la fin de la journée. Et le joueur qui va nous retrouver maintenant dans le rond central incarne tellement ce lien entre le stade du Rail et l'Alliance Riviera. C'est la première fois qu'il est de retour dans la ville qu'il a tant aimé. Mesdames, messieurs, une ovation pour l'immense, super Dario Zvitanić. Je suis très, très content de vous raconter. Merci. Vous resterez par toujours dans mon corps. Vous êtes les plus importants. Moi, je suis très content de vous raconter. Donc, j'ai promis de revenir souvent.
Issa Nissa. Innovation, mesdames, messieurs, Dario Zvitanić. On déteste la défaite, mais je pense que le contenu, il était intéressant dans la prise de risque, dans le courage de notre équipe d'avoir le ballon, de aussi chercher haut, de pression. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses que nous avons fait ce soir. Mais il va falloir rester très concentré, continuer à travailler très dur pour les prochains matchs. Ce qui nous offre le plus de certitude et dans la durée, c'est le contenu. Ce soir, le contenu, il a été plus que bon. Donc je suis persuadé que ça va nous offrir de belles semaines à l'avenir.
On est venu partager un bon moment avec eux pour jouer au foot, pour prendre du plaisir. Et tout le monde est content, c'est bien, on passe un bon moment. Beaucoup de liens qui commencent à se faire et puis on voit toujours, ce qui est intéressant, c'est ces sourires et puis voilà, cette notion d'entraide. Et puis on constate en fait au niveau des jeunes qu'il y a un lâcher prise et en fait les jeunes de l'Institut, on voit qu'ils n'ont plus d'appréhension, ils se jettent sur les ballons et en fait on voit qu'il y a une évolution de toute façon tout au long de la saison qui se fait. C'est archi bien, c'est trop bien. Ouais, t'es venu faire un... Oui, un petit entraînement. Oui. C'est bien, ça va ? Oui. Ça montre les valeurs du club. Ça montre qu'on est un club qui aime aider les gens, qui aime partager. Il y a main là-haut, main ! Il y a main, il y a main ! Tu veux l'avoir ? Il l'a eu, là-bas. Il l'a eu. Il a eu là. Il a eu là. Il a eu là. Mike, Oscar, Uniforme, Sierra, Lima, India, Mike. Et alors c'est où le 150? C'est là, entre le 140 et le 160. Voilà. Alors 150, ok. Ensuite, il faut aligner le nord magnétique avec le nord de la boussole. L'idée, c'était d'organiser une journée d'appel, donc une journée défense et citoyenneté délocalisée au sein du centre de formation de l'OGC Nice. Et donc l'idée, c'est de permettre en fait aux jeunes, donc aux apprentis footballeurs, d'honorer leurs obligations civiles et militaires. En fait, pour le jour où ils réalisent la journée d'appel, le terme exact, c'est qu'ils sont appelés sous les drapeaux. Et donc le fait d'être appelés sous les drapeaux aujourd'hui, on a des appelés qui sont exemplaires puisqu'ils sont à la fois respectueux, concernés et impliqués. Donc pour nous, c'est un public qu'on souhaite revoir très prochainement, si on peut rééditer l'opération. On a parlé de ce que c'était un citoyen, ce qu'il devait faire, ses droits, ses devoirs. On a parlé un peu de ce qui se passait en France et en dehors au niveau de l'armée. Ça nous rappelle un peu les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, donc ouais, c'est toujours bien. Ils nous ont fait plein d'expériences qu'eux, ils font au quotidien et ça nous change. Avec le service communication et dirigé par Virginie Rossetti, on s'est mis d'accord avec le ministère des Armées, qui a une antenne sur Nice, pour venir dispenser justement cette journée d'appel au centre de formation de l'OGC Nice. Et c'est une grande fierté parce que c'est une première en France. On porte haut et fort peut-être un projet qui peut aussi s'étendre au niveau national dans les centres de formation, dans d'autres structures. Mais en tout cas, on est fiers que nos garçons soient les premiers à bénéficier de cette action-là, de faire venir aussi l'État militaires dans nos locaux. On les a accueillis avec une grande fierté et puis surtout une grande motivation. On a envie aussi de donner à nos garçons l'envie de respecter les grandes valeurs de notre nation. Monsieur Avoy Louis Valentin. Right on, man.